Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre Ebisoft Center. Notre Ebisoft Center, c'est quoi? C'est une application de gestion de notes scolaires que j'ai réalisée moi-même, par mes propres soins. Pour la première phase, aujourd'hui, je vais vous présenter la gestion des bulletins. Nous allons d'abord nous authentifier dans l'application. Donc, je mets le mot de passe super admin. Je m'authentifie en tant qu'administrateur. Maintenant, nous avons le menu. Nous avons le menu de l'application. Ici, nous allons dans gestion de notes, onglet gestion de notes, sur lequel nous avons le bouton bulletin, ce qui nous concerne plus précisément. Maintenant, on veut générer le bulletin d'un trimestre bien défini. Nous cherchons la classe que nous aimerions mettre que considérer. Ici, nous prenons la terminale des salles A. Nous sélectionnons le professeur principal de cette classe pour que ce dernier puisse authentifier avec son mot de passe. Donc, c'est ce qui fait la nuance au niveau de ce logiciel. Toutes les contraintes de sécurité sont au maximum pour éviter les intrusions possibles. Donc, après la phase d'authentification, nous avons une grande fenêtre qui s'affiche. Dans cette fenêtre, on nous présente maintenant toutes les dans la gauche, à notre gauche, la liste de tous les élèves de la terminale D, plus précisément ceux de la salle A. Ici, nous n'avions rien à faire, tout est déjà fait. En ce fait que lorsque les professeurs enregistraient au cours du trimestre la moyenne des interrogations, la moyenne des devoirs, la moyenne des compos, tout est déjà automatiquement compilé et réalisé. Donc ici, il suffit de préciser le trimestre concerné. Ici, nous avons choisi le deuxième trimestre, comme nous pouvons choisir le premier trimestre. Maintenant, une fois avoir choisi le premier trimestre, maintenant, vous avez remarqué que tout est vide. Maintenant, quand nous avons sélectionné sur un élève, automatiquement, dans le tableau de la droite, nous avions les matières dans lesquelles il a eu à composer. La moyenne totale des interros qui sont ici, que je vous présente, moyenne totale des interros, le devoir qui est composé comme D1, D2, et la composition. Maintenant, ici nous avons la moyenne générale, suivie du moyenne coefficient, suivie du rang respectif par matière, suivie des appréciations. Ensuite, à côté, nous avons le nom de chaque professeur de chaque matière que nous venons d'énumérer. Donc, quand on sélectionne chaque élève, on a toutes ces coordonnées sur toutes ces matières qu'il a fait discipline, à savoir le PS, le français, l'histoire géo. Maintenant, pour l'enregistrement des notes, ça c'est une autre interface. Donc, directement ici, nous allons seulement cliquer sur générer le bulletin pour avoir la liste de tous les bulletins des 13 élèves automatiquement de la terminale de SAP. Donc, je vous présente l'interface du bulletin. Donc, la voilà. Ici, nous avions le matricule, le nom et prénom des élèves. Donc, sur la première page, nous avions l'exemple d'un élève. L'exemple du premier élève dont la lettre commençant par A. Vous avez vu celle-ci, le matricule, le nom, c'était Gossou Antoine, qui donne la numéro, toutes les matières sont numérées sur la gauche. Vous avez vu ici, tout, donc tout est fait bien et bien serré. Donc ici, la moyenne trimestrielle qui est réalisée, la plus forte moyenne, la plus faible, la moyenne de la classe qui n'est que l'opération de la plus forte et la plus faible qui a été divisée par 2. Ici, nous avions le rang trimestriel de ce dernier. Dans la deuxième page, on aura la même chose, mais pour l'élève suivant. Ici, qui est Ivy Sonia. Donc, il faut notifier que tous les notes dont je précise ne sont que des exemples que j'ai pris, j'ai inventé pour pouvoir voir à quel point l'application peut évoluer et fonctionner. Vous avez bien remarqué ici sur la droite de l'entête,
Nous avons l'année académique qui est précisée. Session du premier trimestre, comme vous avez effectué. La classe terminale des salles A. Le nombre d'effectifs de la classe. Le seuil de moyenne exigé pour avoir la moyenne. Après, nous avions à savoir si cet élève est un doublant, oui ou non. S'il était ou elle était un doublant. Et ça allait mettre. Ah, mais malheureusement, c'est un doublant, oui. Dans le cas où c'est pas un doublant, il allait mettre non. Ce qui veut dire que c'est un nouveau ou une nouvelle élève. Ainsi de suite. Maintenant, avant d'imprimer la liste, vous voyez sur votre gauche ici, il suffit seulement de sélectionner. Toutes les bulletins sont bien établis. Donc, nous allons générer le résultat d'abord en PDF que chaque professeur principal aura sous la main pour d'abord apprécier, pour donner à chaque élève d'apprécier leur note s'il n'a pas une modification à faire au niveau de l'enregistrement des notes et de redégénérer le bulletin. Donc, vous voyez, donc c'est la nuance au niveau de cette application. Tout est strict, la moindre erreur n'est pas tolérable. Tout est généré. L'homme n'a rien à voir. Même au premier trimestre, il donne automatiquement la mention que le programme a défini en collaboration avec l'établissement pour dire que ah, celui-ci, il a 12 de moins. Donc, le résultat trimestriel, la mention trimestrielle, la décision de l'enseignement principal, c'est-à-dire le professeur principal dans un cas, le résultat accepté. Ici, nous avions le logo, le cachet, la science du directeur. Donc, malheureusement, j'ai téléchargé une image pour pouvoir interpréter le comportement de mon application comme dont je l'ai. Donc, toutes ces résultats sont faits jusqu'au 13e, c'est-à-dire jusqu'au dernier élève. Donc, sur une page, on a un bulletin précis. Donc, aucun débordement. Tout a été fait au minimum près. Donc, merci. Prochainement, je vais vous présenter. Et pour un examen blanc, la génération des relevés des examens blancs, je vous jure que cette application est le numéro 1 du top. Merci. Et merci encore à vous. À très bientôt.